Une révélation, foulée après foulée. Les succès de la jeune production de Kentucky Dynamite en 2012 confirment le potentiel affiché à ses débuts avec son modèle, son pédigré et ses performances. Cet athlète puissant mesure 1m68. Pour autant, il s'est montré assez précoce pour gagner à 2 ans à Saint-Cloud sur 1600 mètres. Il remporte de nouveaux succès au printemps de ses 3 ans, puis enlève un groupe 3 convoité, le prix Paul de Moussac à Chantilly, devant Ken d'Argent et Ressinger. Ken d'Argent se défend très bien à la corde alors que Ressinger vient prendre la 3ème place à Indianski. Dauphin ensuite de Stormy River dans le prix Jean Prat, groupe 1, et aussi 2ème du Grand Prix de Vichy, Kentucky Dynamite a intégré la cour du Haras du Canet en 2008. Non seulement fils de King Mambo, un des meilleurs étalons du monde, Kentucky Dynamite est né d'une championne américaine, Chelsea Flower, gagnante de groupe 1 dans le Flower Bowl sur le gazon de Belmont Park. Sa première génération de 2 ans en 2011 a révélé de très bons sujets. La deuxième génération en 2012 le fait entrer dans l'élite du pur sang grâce au Black Type Cassiope et Gaieté. Cette dernière a été vendue 180 000 euros aux ventes de l'Arc 2012, mais surtout Kentucky Dynamite a sorti le grand espoir Mutin, invaincu en 2 sorties, et top price de cette vente de l'Arc 2012 pour la somme de 700 000 euros. La génération suivante sera en piste à 2 ans en 2013. Elle démontre que Kentucky Dynamite transmet son modèle, ce qui est également visible parmi les foals nés au printemps 2012. Kentucky Dynamite fait la monte au Haras du Canet chez la famille Head, tout près de Deauville dans le Calvados.